Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce lundi. La voie de la dénonciation choisie par le tribunal militaire pour traiter l'implication présumée de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dans le coup d'État manqué de septembre 2015. En clair, seul l'État ivoirien peut désormais poursuivre Guillaume Soro dans le cadre de cette affaire. L'information a été donnée ce soir par le nouveau commissaire du gouvernement. Des détails tout à l'heure. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est achevé hier à Dakar. L'intégration régionale, mais aussi les questions sécuritaires et économiques ont été largement abordées. Vers l'enforcement des liens de coopération entre les parlements de la Namibie et du Burkina, en visite au Faso depuis samedi, Margaret Menza Williams, la présidente du Conseil national de la Namibie, a visité ce matin l'Assemblée nationale et le Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier. Bienvenue au journal. Le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou a fait ce soir le point des dossiers pendants au tribunal militaire. Il s'agit essentiellement de 4 dossiers majeurs, dont l'affaire Thomas Sankara, le putsch manqué et l'affaire Guillaume Soro. On retiendra que le mandat d'arrêt contre l'ex-président Blaise Compaoré reste en vigueur et que le tribunal militaire a choisi finalement la voie de la dénonciation pour traiter l'affaire Guillaume Soro. Cela veut dire qu'il appartiendra à l'État de Côte d'Ivoire de poursuivre son président de l'Assemblée nationale. Le point de la conférence de presse avec Issa Kafando et Pascal Kané. Le mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré n'a jamais été annulé. Ceux qui ont été annulés sont relatifs à l'affaire du putsch manqué. C'est l'une des principales informations délivrées par le tout nouveau commissaire du gouvernement. Les rectificatifs nécessaires sont faits et les dossiers transmis au ministère des Affaires étrangères. Seulement voilà, le tribunal change d'option pour ce qui concerne l'affaire Guillaume Soro. Il est désormais question de passer par la dénonciation. La conséquence est qu'il appartient désormais à la Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités et de juger Guillaume Soro. Au regard du caractère d'extranéité du sujet et des obstacles juridiques, le parquet donc a opté en ce qui le concerne pour une conduite d'une procédure saine, opter pour la procédure de dénonciation dans le cas d'espèce, ce qui du reste a été fait et transmis donc par les canaux appropriés depuis au moins 2 ou 3 semaines. Prenant le commissaire du gouvernement au mot, les journalistes veulent savoir si cela veut dire que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est bien impliqué dans le coup d'État au Burkina Faso. Autrement dit, si les écoutes téléphoniques sont authentiques. Moi, en tant que ministère public, je peux vous donner des éléments objectif de l'instruction. Rentrer dedans pour dire c'est X qui a fait ça, c'est Y qui a fait ça, l'instruction est donc secrète, donc non contradictoire et écrite. Je ne peux pas vous le donner. Mais le jour de l'audience, le débat est contradictoire, le procès est équitable. Tout le monde développe ses moyens et ses arguments. On verra. L'affaire de Sankara est bonne voie, souligne le commissaire du gouvernement. Mais là aussi, il y a un blocage. Des familles de victimes dans cette affaire demandent une contre-expertise des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons. 47 témoins et 13 parties civiles ont été entendus dans cette affaire. Le problème majeur que nous avons dans ce dossier, c'est la réalisation de la contre-expertise demandée donc par 3 familles. Et nous essayons donc avec les juges et les parties de trouver donc une solution et nous pensons que cela ne tardera à voir jour. En tous les cas, le commandant Aliou Nzaré espère que d'ici la fin de l'année 2016, les premiers procès de ces dossiers brûlants se tiendront. Les victimes de leur tombe demandent justice, ajoute-t-il.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis hier à Dakar pour un sommet extraordinaire. Les questions sécuritaires, économiques et politiques ont dominé les échanges. Les dirigeants de l'espace se sont surtout penchés sur la rationalisation des organes de l'UEMOA pour une meilleure intégration régionale. Le point avec nos envoyés spéciaux Salifou Belem et Draman Dadia. Huit États, une monnaie commune. Le franc CFA pour booster le développement à travers l'intégration économique et politique des pays membres de l'UEMOA. Ce sommet extraordinaire est donc le lieu indiqué pour faire le bilan. Notre réunion se tient au moment où la croissance économique de notre continent est ralentie en raison de la baisse du prix des matières premières, en dépit de ce contexte économique difficile. En 2015, pour la deuxième année consécutive, la croissance économique a dépassé 6%. Elle mérite toutefois d'être améliorée et cela passe par la rationalisation des organes de l'Union. Sur le volet mobilisation des ressources, une réduction du prélèvement communautaire de solidarité de 0,5% a été recommandée. Mais sur la question, le Burkina émet des réserves. Et nous avons demandé à ce que le PCS soit maintenu à 1%. Jusqu'à ce que nous ayons les résultats de la restructuration, à ce moment-là, nous pourrons voir quels sont les moyens dont disposons de voir pour pouvoir assurer ces missions. Les réformes amorcées prennent également en compte l'aspect sécuritaire. Profondément préoccupé par la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA, caractérisée par la persistance de la menace terroriste, réaffirmons la détermination de nos gouvernants à intensifier la lutte contre les trafics et à démanteler les réseaux de contrebande et les groupes connexes. En attendant la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité et la rationalisation des organes de l'UEMOA, les dirigeants burkinabais, béninois, ivoiriens, bissao-guinéens, nigériens, maliens, sénégalais et togolais ont décidé du maintien de Cheikh Adjibou Soumaré à son poste de président de la commission de l'UEMOA. Et puis, sachez que le président du FASO, Rochmar Christian Kabore, se rend à New York aux États-Unis pour participer à la réunion de haut niveau sur le VIH-SIDA organisée par les Nations Unies. Cette rencontre internationale réunira du 8 au 10 juin 2016 des chefs d'État et de gouvernement, diverses personnalités de premier plan et des acteurs du domaine pour discuter de l'avenir de la réponse mondiale au SIDA. La suite du journal. En visite officielle au Burkina depuis le 4 juin, la présidente du Conseil national de la Namibie a été reçue ce matin à l'Assemblée nationale. Au menu, visite de l'hémicycle et échange sur la coopération parlementaire. Roger Kam, Tanga Kafando. La présidente du Conseil national de la République de Namibie, Menza William Margaret, reçue par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, et les vice-présidents. Au cœur des échanges, trouver des voies et moyens pour renforcer la coopération entre les parlementaires des deux pays et se partager les expériences dans la quête du bien-être au profit des deux peuples. Oui, la Namibie a une grande expérience en matière d'infrastructure et surtout en matière sociale. Comme je vous le disais tantôt, dans ce pays, et la majorité de la population accès aux services sociaux de base. Le PIB par tête d'habitant est de $3,350 contre $300 au Burkina Faso. C'est-à-dire que les ressources naturelles de ce pays sont consacrées au développement du peuple namibien. Et surtout, il faut faire remarquer qu'au sortir de la guerre, la Namibie a réussi une réconciliation nationale où la démocratie prévaut et où les libertés collectives prévalent et surtout le progrès social et économique. Bel exemple de coopération sud-sud, l'amitié entre la Namibie et le Burkina Faso est une histoire de la lutte de leur peuple. Et Mensa William Margaret s'est dite reconnaissante pour l'accueil à elle réservé et impressionnée par les prouesses du Burkina post-insurrectionnel. When we were fighting, FASO nous a soutenus dans notre lutte pour la libération. Pour cela, la première mission officielle, la
après avoir été élu présidente du Parlement. Ma délégation et moi avons décidé de venir au Burkina Faso témoigner de notre amitié au gouvernement, au Parlement et au peuple du Burkina Faso. Menza William Margaret s'est également entretenu avec les membres des présidents de conférences et a visité l'Assemblée nationale. En fin de matinée, Margaret Menza Williams s'est rendue au centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier. Elle est allée voir les efforts fournis par le Burkina pour la formation des jeunes filles en situation difficile. Le point avec Nong Bakuda et Claudine Bikaba. Le Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier CEFIAM, qui forme les jeunes filles en situation difficile, reçoit la visite de la présidente de la Haute Chambre du Parlement namibien. Elle est accompagnée du président de l'Assemblée nationale, qui dit accorder une place de choix à ce centre. Ce centre est un bel exemple d'une adéquation entre le travail et la formation. Aujourd'hui, former des jeunes filles à l'électronique, à la mécanique auto, pour les renvoyer sur le marché du travail, était un exercice courageux et intelligent. La preuve est que 80% des jeunes formés dans ce centre ont trouvé du travail sur le marché national burkinabé. Margaret Menza Williams a visité toutes les sections du centre, à savoir la mécanique à deux roues, la coupe couture, électricité automobile, électronique, suivi d'un échange suite à une projection pour plus d'approfondissement de la connaissance du centre. I'm very impressed. Je suis particulièrement impressionné par ce que je viens de voir ici et c'est l'une des leçons que je vais ramener avec moi au niveau de la Namibie. Cette leçon, c'est que nous devons tout faire pour que les jeunes filles qui sont peut-être abandonnées puissent recevoir une seconde chance de pouvoir se réintégrer au niveau donc du monde professionnel. Également, l'opportunité pour remercier son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso qui a eu l'idée de nous amener ici pour visiter ce centre et pour la promesse qu'il a faite de pouvoir donc soutenir le centre pour les futures activités. Ce fut l'occasion pour elle d'interpeller le Président de l'Assemblée à militer pour faire tomber toutes les barrières de la langue, du genre, entre autres. Elle a enfin planté cet arbre qu'elle espère qu'il témoignera des relations entre les peuples namibiens et burkinabés. Une formation aux allures d'initiation aux idéaux de la social-démocratie. Des jeunes du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, venus de différentes provinces du Burkina, ont participé du 3 au 5 juin à une formation politique. Les communications ont été faites par les cadres du parti. Maxime Zongo. Cette session de formation destinée à donner des fondements solides aux jeunes du MPP a été animée par des cadres du parti avec l'appui du docteur Peter Klaus venu de l'Allemagne. Trois jours durant, les valeurs de base de la social-démocratie étaient au centre de la réflexion. Le président Rochmar Christian Kabore est un président social-démocrate. Il a présenté un programme social-démocrate. Il faut que nos jeunes s'approprient justement sur les valeurs de base afin de pouvoir mettre en œuvre ce programme. Ça permet au parti de voir quelles sont les préoccupations des jeunes et dans quel sens il faut aller pour la formation afin de faire des jeunes des militants conscients. Former des militants conscients et convaincus de la social-démocratie et du sens même de la politique, voilà l'objectif poursuivi. Une initiative bien accueillie par les bénéficiaires. Cette formation va droit au cœur parce que la politique, en réalité, on parle de la politique, mais au fond, on ne connaît pas. Voilà, donc c'est par rapport à la formation que nous allons comprendre le sens de la politique. Le centre de formation Kwame Nkrumah, une création du MPP à la base de cette session, a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Friedrich Herber. L'atelier de Ouagadougou inaugure ainsi une série de formations avec des dimensions nouvelles portant sur le contenu de la social-démocratie. Comment gérer au mieux les déplacés de guerre et des conflits liés aux fonciers? C'est la principale question au centre de la formation initiée par l'Organisation internationale pour la migration. Elle a pour but de donner aux participants les techniques de prise en charge des personnes déplacées. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebier.
Une remise d'attestation qui marque la fin de 5 jours de formation sur la gestion des déplacements forcés des populations. Une migration forcée causée généralement par les conflits armés, les catastrophes naturelles telles les inondations et les conflits liés aux fonciers. L'atelier visait un objectif principal qui était de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs étatiques et des agences non gouvernementales humanitaires en matière de gestion, de coordination des déplacements de populations, que ces populations soient dans des camps ou en dehors de camps. Les participants sont du ministère en charge de l'administration territoriale, de celui de la solidarité nationale et de la famille et des autres structures œuvrant dans le domaine de la gestion des catastrophes. Les modules qui nous ont été présentés renforcent effectivement nos capacités de prendre en charge, en tout cas, ces populations affectées. Parce que ce soit de l'installation d'un camp, que ce soit l'entretien du camp, que ce soit la fermeture du camp, vraiment, nous avons eu en tout cas des connaissances utiles. Les ressortissants burkinabés étaient obligés de revenir au pays, mais quand c'est une migration qui n'est pas préparée, un déplacement qui n'est pas organisé, qui n'est pas préparé, ça pose toujours des problèmes. Donc ça nécessite vraiment du doigté dans la prise en charge. Avec cette formation, le ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille attend des participants de meilleurs résultats sur le terrain. Le début du mois de Ramadan rime très souvent avec une augmentation des prix de certains produits de grande consommation. À Bobo-Dioulasso, les commerçants pointent du doigt les nouvelles mesures de dédouanement des marchandises. Pour faire face à la situation, une association musulmane a initié une foire où sont exposés des produits vendus au prix normal. Martin Zerbo, Ali Traoré. À l'approche du mois de Ramadan, c'est devenu une habitude au Burkina Faso. Les prix des produits de grande consommation connaissent une hausse. Cette année encore, le constat est le même. Mais les commerçants se justifient par le fait que de nouvelles mesures de taxation douanière ont été instaurées par le gouvernement. Avant, quand on dédouanait la marchandise, bon, maintenant c'est plus que ça, quoi. Donc c'est obligé que nous, les commerçants, on ajoute un peu pour pouvoir s'en sortir. Sinon, c'est pas facile. L'histoire de Paul, c'est que là, les prix sont augmentés. À part les spaghettis, les tomates aussi, le prix a augmenté. L'huile, le prix a augmenté. Beaucoup de choses, là, côté consommation, là, le prix a augmenté. Le prix, ça n'a pas augmenté arrivé à l'année passée. C'est que l'argent, même l'argent liquide pour payer, là, il n'y en a pas avec les gens. C'est le pouvoir d'achat qui est très peu. Pour la population, cette situation est mal vécue. Pour cela, elle interpelle le gouvernement à prendre le problème à bras le corps. Si on diminue, c'est bon. Si c'est possible, on peut diminuer. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Ce n'est pas seulement le mois de Ramadan, seulement toute la population, même ça concerne tout le monde. Pour baisser les prix des choses, c'est très important pour nous-mêmes. Voilà, si c'est possible, on peut le faire. Il ne faut pas qu'il augmente parce que c'est le mois de Ramadan qui arrive. C'est pour cela qu'on augmente. Ça, ce n'est pas normal. Si le gouvernement pouvait voir faire sortir une équipe de contrôle pour sanctionner ces commerçants, et ça nous fera plaisir. En entendant la réaction du gouvernement, la coordination des associations islamiques de l'Ouest du Burkina a initié une foire spéciale Ramadan. Une foire pour baisser les prix des produits au profit de la population. C'est effectivement d'éviter la surenchère que nous remarquons surtout dans le mois de Ramadan. Et par rapport à tous les produits de grande consommation, je vais parler du sucre, des dattes et tout ce qui s'en suit, le petit mil, etc. Donc notre objectif est vraiment de créer un cadre de sorte que les gens puissent avoir les produits et en tout cas avec des prix quand même acceptables. Cette foire se passe sur la place des Martyrs du 4 au 14 juin prochain et c'est ouvert à tous. Le Danemark a commémoré ce week-end à Ouagadougou son 167e fête nationale. L'événement a réuni à la résidence de l'ambassadeur des personnalités de pays amis l'occasion de faire le bilan des relations entre le Danemark et le Burkina Faso. Jean-Hugues Bayala, Abdoul Rasmane Zongo. C'est une fête nationale qui coïncide avec, dans quelques jours, la fin du mandat de 4 ans du diplomate danois au Burkina Faso.
Les souvenirs sont nombreux, mais il y en a un qui transcende. Je suis impressionné par la résilience du peuple burkinabé pendant la période de transition. Le calme, la persévérance et la détermination ont été exceptionnels. Et les petits épisodes, comme le nettoyage dans les rues seulement 2 jours après le soulèvement populaire, ont fait de fortes impressions. La communauté internationale, et je suis sûr l'Afrique entière, ont pris note de la manière dans laquelle le Burkina Faso a géré la transition. Le Burkina et le Danemark sont dans une dynamique partenariale depuis de longues dates, notamment dans les domaines de l'eau et l'assainissement, la promotion de la croissance économique et l'agriculture. Une coopération qui va bientôt s'élargir dans le domaine judiciaire. Arrêtons-nous à présent sur les procédures d'obtention du permis de conduire. De l'inscription à la délivrance du permis, il y a différentes étapes à franchir. Des explications avec Moussa Ouedraogo et Mouankon Dabiré. Issa Kanyankine est le responsable du service des permis de conduire à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Ce jeune chef et son équipe ont la responsabilité de délivrer des documents pour la conduite conformément à la procédure. Lorsqu'un candidat veut passer un examen de permis de conduire, il identifie d'abord une auto-école. Après l'avoir identifié, il constitue un dossier. Il nous envoie ce dossier au niveau du service des permis de conduire. Après l'inscription, c'est ici que commence la procédure. Dans cette salle, ce sont environ 600 dossiers de candidature qui sont reçus chaque jour. Et il faut procéder à leur vérification et à leur classification selon les auto-écoles. La tâche est pénible, nous confient les travailleurs. Là, le travail est encore manuel et il faut satisfaire les candidats. Une fois classés, les filles sont ensuite transférées dans un autre bureau pour la programmation des examens. Une fois que l'examen est fait, je reçois donc toutes les fiches d'examen. Je programme ceux qui sont ajournés en priorité, puisqu'il y en a qui doivent revenir une semaine après, il y en a c'est 2 semaines après. Donc, nous accordons la priorité à ceux qui doivent revenir la semaine suivante. On fait donc la programmation, on valide. Après chaque examen, il faut enregistrer soigneusement les admis et les ajournés. Et chaque fiche est dotée d'un code de sécurité. Ces numéros sont attribués à dessein pour éviter les cas de fraude, nous confie le chef Yankiné. Comme il y en a beaucoup, quand vous prenez, si vous prenez mal le numéro, ça veut dire que la fiche là va partir, mais ce n'est pas ça qui est saisi. Donc en validant encore, on retrouve ça. Il faut mettre ça de côté pour corriger. À la suite des examens de la circulation, les fiches des candidats ayant reçu à la conduite sont acheminées dans cette salle pour vérification. Et ce sont environ 200 fiches qui sont soumises au contrôle de ces agents. C'est là aussi que sont délivrés les permis de conduire provisoires. Les candidats peuvent rentrer en possession de ce premier document 3 semaines après l'admission, puis du permis définitif 1 mois plus tard. C'est le circuit normal. Voilà, pour pouvoir... En tout cas, avoir son permis, il faut minimum, en tout cas, un mois. Le défi de Issa Kanyankine et de ses hommes est de pouvoir délivrer des permis sécurisés et dans les délais prescrits. Mais l'équipe doit faire avec les moyens de bord et les plaintes des usagers qui vont avec. En sport, les Italiens se sont imposés hier face aux îles Comores sur le score de 1-0. Une victoire acquise à la 79e minute sur 1-0 de Alain Traoré. Le résumé du match avec Urbain Sommet et Jérôme Tiendrebego. C'est dos au mur que les Italiens de Paolo Duarte, privés de 6 cadres, ont entamé la bataille de Moroni face au Seulacanthe. Une composition inhabituelle avec le porteur du brassard Bakary Koné associé à Issouvou Dayo dans l'axe de la défense. Patrick Malo dans le couloir gauche et Steve Yago à droite. Devant eux, Adama Guira assure la récupération en complicité avec Razak Traoré plus relayeur. Alain Traoré est positionné en meneur derrière Aristide Bonsé en pointe. Cyril Barros Bayala à gauche
et Jonathan Zongo à droite font dans la permutation pour se déjouer des marquages de l'adversaire. La mission confiée à Daouda Diakité, c'est de ne laisser aucune balle franchir sa ligne de but sous aucun prétexte. Puis 45 minutes s'écoulent sans que le dispositif offensif de Paulo Duarte ait pu trancher. Alors le technicien portugais change son fusil d'épaule. Il donne de la fraîcheur sur le front de l'attaque et au milieu avec les entrées de Banu Diawara, Aziz Kabore et Mohamed Koufi. Puis 79e minute, sur une inspiration dont il a le secret, Alain Traoré illumine le stade Saïd Mohamed Cheikh au grand dam de ses 5000 supporters. Un but qui vaut son pesant d'or car il ramène les étalons en tête de course vers Gabon 2017. Mohamed Cheikh, victoire étriquée mais précieuse victoire. 1-0, Alain Traoré qui a... Le prix de la séduction, c'est le nouveau long métrage qui sera proposé dans 2 mois au cinéphile burkinabé. Abdulaziz Nikema, le réalisateur de ce film, est à pied d'œuvre pour la sortie du film. Nongba Kouda, Aruna Mari. Dans cette rue du quartier 1200 logements, le réalisateur burkinabé Abdulaziz Nikema, en plein tournage de son tout premier long métrage, Le prix de la séduction. Un film qui aborde des thématiques comme l'amour et l'auto-emploi des jeunes. Aïe, lâche-moi. Je ne peux pas me toucher. Hé, hey, Hervé. C'est l'histoire de Hervé, un jeune homme qui a passé toute sa vie dans ses papiers. Maintenant, il a réussi et il travaille comme architecte. Son problème, c'est qu'il n'a jamais fait la cour à une fille et il est contraint de trouver la femme de sa vie. Hervé va tenter alors de séduire la belle Laetitia, une fille qu'il convoite depuis le lycée. Abdulaziz Nikema a déjà réalisé plusieurs films, dont Le filtre de l'amour. Le prix de la séduction a été produit par Fernand Ernest Kabore. 3 semaines ont été consacrées au tournage de ce long métrage qui mobilise plusieurs comédiens. J'incarne le rôle de Laetitia dans le film. Alors, Laetitia, c'est juste une jeune fille toute simple et une étudiante qui a fait ses études à Koudougou, voilà, qui rentre chez elle, un peu dans le chômage, mais qui rencontre Hervé, qui est un camarade de lycée, voilà, et les amourettes, ça, voilà, ça reprend dans la cité. Le prix de la séduction sera disponible en août prochain. Son budget prévisionnel se chiffre à 15 millions de nos francs. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Et le général Zida refait parler de lui. Les parutions du jour reviennent en cœur sur cette affaire de l'ancien premier ministre de la Transition. À l'occasion de son séjour à Dakar, le président du Faso a évoqué le cas Zida lors de sa rencontre avec les Burkinabés du Sénégal, mentionne l'observateur Palga, qui publie la teneur des propos de Rochmar Christian Kabore. Si plus rien ne doit plus être comme avant, cela commence maintenant, s'agace-t-il, avant de préciser, comme l'explique le quotidien Le Soir, que Zida doit revenir s'expliquer sur sa gestion. Le général Zida nous demande de le mettre en position d'évacuer sanitaire, peut-on lire dans les colonnes du quotidien d'État citoyen. L'autorisation d'absence qui lui avait été accordée ayant expiré depuis sans qu'il ne revienne, il lui a été notifié qu'à défaut de régulariser sa situation, il sera considéré comme un déserteur. Sur le provisoire d'ancien dignitaire, l'Express du Faso s'interroge sur le sens de la guéguerre que se livrent les acteurs de la société civile et ceux de la justice. Aux menaces incendiaires proférées par certaines OSC, le parquet dit analyser les suites judiciaires à donner, informe l'observateur Palga. Et l'Express du Faso de renchérir que le Négordien se trouve dans le manque de communication de la part de la justice. Pour le journal, on aurait pu éviter cette passe d'armes en communiquant mieux. Et pendant ce temps, ce sont Achille Tapsoba et Zambende Théodore Sawadogo, tous deux responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès, qui ont été empêchés de quitter le territoire national, nous apprennent l'observateur Palga, aujourd'hui au Faso et les éditions Le Pays. Pour quel motif? Mystère et boule de gomme. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.